Il y a plusieurs. Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre de bureau, honorable député et distingués collègues. Je prends la parole par motion d'information pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 25 mars de cette année, le souverain pontife, sa sainteté le pape François, a créé un diocèse qui est nouveau appelé le diocèse de Chilomba. Celui-ci est le fruit du démembrement de l'ancien diocèse de Luisa. C'est ainsi qu'après la création du diocèse de Chilomba, événement salué par toutes les populations du territoire de Luilu, de la ville de Mweneditu, de la province de Lomami tout entière, et particulièrement par les chrétiens catholiques, le pape a, par la même occasion, nommé le tout premier évêque de ce diocèse en la personne du révérend abbé Sébastien Kenda Ntumba. Cette œuvre grandiose, honorable président, connaîtra sa célébration liturgique en date du 5 juin 2022, date à laquelle son éminence, le nonce apostolique, va procéder au sacre du diocèse de Chilomba ainsi qu'à l'ordination épiscopale de son tout premier évêque et sa prise de possession canonique du siège du diocèse de Chilomba. C'est ainsi, honorable président, qu'à travers ce message, le peuple de Dieu me charge de vous inviter cordialement à cette fête unique à son genre, en commençant par tous les membres de notre bureau, ainsi que tous les estimés collègues députés nationaux. Je vous souhaite donc, honorable président, avec empressement, la bienvenue au diocèse de Chilomba.